Bienvenue au centre aéré de Carniole où je viens de perdre lamentablement la balle aux prisonniers. Alors embarquez avec nous pour une découverte de ce joli centre avec plein de sourires et plein d'enfants. Effectivement, laisse faire les pros. Et allons découvrir ensemble la LSH ou l'accueil de loisirs sans hébergement du centre de Carniole. Ici, comme dans les trois autres centres de loisirs de Vannes, le principe est simple. Il s'agit de donner aux enfants l'opportunité de s'amuser entre copains, s'épanouir et se défouler toute l'année pendant les périodes extrascolaires, et le tout de façon ludique. Pour les grands et les petits et les moyens, les activités sont adaptées pour chaque âge. Il y a une bibliothèque et il y a plein de livres et puis c'est grand. Il y a une grande cour, c'est très bien. On accueille à la semaine et aussi à la journée depuis cette année en fait. Donc un groupe, des groupes d'enfants, on en a 90 qui sont accueillis sur le centre. On les divise en trois groupes, le groupe des 4-6 ans, le groupe des 7-9 ans et le groupe des 10-12 ans. Là, on a un groupe qui est parti ce matin sur l'Agnon et pour faire du rafting et puis du kayak. Et un autre qui est parti sur Belle-Île-en-Terre pour travailler tout ce qui est la pêche, la nature, etc., etc. On passe donc du simple foot entre potes à une escapade canoë-rafting ou balade avec les ânes à la ferme des Galopins par exemple. Et pour toutes ces activités, parents, rassurez-vous, vos enfants sont entre de bonnes mains. Pour travailler à la ferme de Carniole ou dans tout centre aéré, il faut avoir le diplôme du BAFA, donc, qui se passe en trois parties. Un stage théorique, un stage pratique et un stage d'approfondissement, et ça dure sur une période à peu près d'un an. Sont prêts ? On a passé du plaisir toute la journée à travailler avec les enfants, mais on a besoin aussi d'un petit peu de sommeil parce que ça recommence le lendemain et qu'il faut être encore à fond pour faire plaisir un maximum aux enfants et donner une bonne qualité d'animation. Pour toutes les informations sur les centres de loisirs, comme les tarifs par exemple calculés suivant le quotient familial, rendez-vous dans la rubrique Jeunesse Loisirs du site de la ville www.mairie-vannes.fr. On se quitte sur les images d'un des meilleurs moments, si ce n'est le meilleur moment, le goûter bien mérité qui ponctue chaque jour pour recharger les batteries avant de recommencer.